associations locales. De strijd tegen de discriminatie van vrouwen en voor de rechten van vrouwen is een zeer brede noemer. Wij werken dan ook samen met quasi alle departementen en kabinetten van de stad Brussel om gendergerelateerde ongelijkheden aan te pakken in zoveel mogelijk interventiedomeinen, op vlak van onderwijs, veiligheid, cultuur, sport, binnen de diensten aan de burger, in de administratieve diensten, onze jeugdhuizen, OCMW's enzovoorts. As we are convinced, the discrimination of women in our society is a result of unequal social constructions. One of our main challenges in the fight for women's rights is to emphasize and deconstruct these stereotypes. This year, we thus decided to devote the Week of Women's Rights at the City of Brussels to the problem of objectification of women. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir plusieurs experts qui ont consacré de nombreuses années de leur vie au combat féministe, et plus particulièrement aux problématiques de représentation et d'exploitation des femmes dans les médias, dans l'industrie de la pornographie et dans le milieu de la prostitution. C'est avec le lobby européen des femmes, l'ASVL ISALA, le réseau européen des femmes migrantes et l'université des femmes que nous avons réussi à vous concocter ce soir un programme exceptionnel et espérons pouvoir alimenter les discours sur ce sujet d'une extrême importance mais encore bien trop invisible, voire tabou. Dans la liste de ces formidables partenaires ici présentes, il manque ce soir malheureusement une femme avec qui tout a commencé. About one year ago, we got in touch with Professor Gail Dines. We did not expect for such a busy woman to react so fast, but she did, with so much enthusiasm and humbleness, and that was the start of this new adventure bringing us to tonight's event. We won't be here if it was also for her. Gail has been supportive and so inspiring all along the road, but it is with a lot of sadness that she informed us last week that finally she would make it to Brussels due to health issues. Though she's not here tonight, she assured us to be here with us in her thoughts. We would like to thank her all for her collaboration and personal investment, and we'll be glad to welcome her in Brussels anyway soon. Zoals eerder medegedeeld in de uitnodiging, zal de conferentie uitsluitend plaatsnemen in het Frans en Engels. Voel u echter vrij, indien u vragen heeft in het tweede deel van de conferentie, om deze in het Nederlands te stellen. De vertaling zal worden voorzien. Please be aware the whole event will switch from English to French. Do not hesitate to ask for clarifications on topics you might not have understood during the second part of the evening, which will offer you the opportunity to exchange with the panel of experts. Une photographe sera présente tout au long de la soirée. Nous nous réservons le droit d'utiliser les images dans le cadre de communication à la suite de l'événement. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces images, merci de nous en informer en fin de soirée si ce n'est pas encore fait. Pictures will be taken by a professional photographer tonight. Please let us know before leaving later on if you do not wish to be seen on these images, which will be diffused on social media and future communications. Avant de passer la main à nos partenaires, je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Mohamed Bouriadi, échevin de la ville de Bruxelles en charge de l'égalité des chances, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu ce soir et que je tiens à remercier pour l'occasion. Merci. Merci d'être si nombreux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans une heure, guten Abend, ladies and gentlemen, welcome. En tant qu'échevin d'égalité des chances de la ville de Bruxelles, cher conseiller communal, donc Monsieur Nassir est présent parmi nous, je vois pas d'autres collègues. En tant qu'échevin d'égalité des chances de la ville de Bruxelles, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette conférence qui, pour nous, est le point d'orgue de cette journée internationale des droits des femmes. Cette journée qui émane des premiers combats que menèrent les femmes en faveur de leurs droits politiques et sociaux est fondamentale. En effet, elle rassemble de nombreux citoyennes et citoyens du monde entier autour de cette cause, et elle lui donne une visibilité non négligeable.
Si les choses ont heureusement favorablement évolué depuis le début du XXe siècle, de nombreux combats restent à mener. Cette année, nous avons décidé de nous attaquer au phénomène de l'objectification de la femme dans notre société. On parle d'objectification quand le corps d'une femme ou des parties de son corps sont séparées de sa personne et réduites à un objet, à un instrument pour se reproduire, pour offrir du plaisir ou encore pour vendre. Cette problématique sera abordée à travers les nombreuses activités organisées durant cette semaine des droits des femmes de la ville de Bruxelles, qui se tient en ce moment jusqu'au 15 mars. Nous avons également lancé une campagne qui se veut volontairement choc, directement inspirée par le récent mouvement This is not consent, qui a vu une vague de protestations sans précédent se tenir en Irlande à l'encontre du jugement d'un violeur ayant été acquitté au motif que la jeune victime portait un string au moment des faits. Ce mouvement a été massivement relayé par les réseaux sociaux via l'hashtag que j'ai cité, This is not consent, avec la représentation d'une petite culotte comme symbole de dénonciation de ce phénomène. Parce qu'en effet, une petite culotte, un string ou encore un décolleté plongeant ne sont pas des signes de consentement. Those mobilizations in favor of women's rights, such as the Me Too movement, show how important these issues are to the citizens, but they also highlight the many discriminations that women still suffer in our society. Par ailleurs, les chiffres sont aussi là pour en témoigner. Rien qu'en Belgique, 86% des femmes ont été victimes au moins une fois d'intimidation sexuelle. Et d'après l'ASBL Touche pas à ma pote, 98% des femmes en région bruxelloise ont déjà été victimes d'une forme de harcèlement dans l'espace public. Cela souligne l'importance du travail qu'il nous reste à accomplir. Et au-delà des mesures concrètes que nous avons appliquées et celles qu'il nous faut encore mettre en œuvre, la bataille se gagnera, j'en suis convaincu, sur le front de la représentation des femmes au sein de notre société. C'est l'objet de notre campagne et des activités qui ont lieu tout au long de cette semaine des droits des femmes. Ik nodig ieder die graag meer informatie rond de kwestie wenst te verzamelen of mee wil debatteren, om deel te nemen aan onze activiteiten op die manier mee te werken aan verandering. My will as alderman for equal opportunities is to make our city a city where everyone feels at home. This fight will be largely won on the grounds of ideas, informing and rising awareness. C'est pourquoi je vais sans plus attendre laisser la place aux prestigieux intervenants de cette conférence, qui portera sur les moyens d'en finir avec les stéréotypes et l'hypersexualisation des filles et des femmes. Avant de laisser ma place, je tiens tout d'abord à remercier le lobby européen des femmes et le réseau européen des femmes migrantes et l'université des femmes pour l'organisation de cette conférence. I also want to thank Geldines, who unfortunately can't be here with us tonight, for her contribution to this event. Enfin, je remercie bien sûr la cellule égalité des chances de la ville de Bruxelles pour tout le travail réalisé afin de rendre cette soirée possible. Je vous souhaite à toutes et à tous une soirée enrichissante. Ik wens u allen een leerrijke avond toe. I wish you all an instructive evening. Merci pour votre écoute. I now give the floor to the experts, starting with Joanna Maybrook, Secretary General of the European Women's Lodge. Thank you very much. It's wonderful to see so many of you here this evening. On behalf of the European Women's Lobby, I'm really pleased to welcome you on this International Women's Day. Welcome to our event, Women Object,
Ending Stereotypes and Hypersexualization of Women and Girls, in partnership with Izala and with the City of Brussels. Special thanks to Mohamed Ouryadi for welcoming us here in this magnificent venue tonight. At the European Women's Lobby, we honour the radical roots of International Women's Day. For us, every day is International Women's Day. We believe every day feminists have the power to make change happen. Every day we have to shift the power dynamics that cause poverty, inequality, conflict, exploitation and structural violence against women and girls. Every day we want those with political and economic power to lift up the voices of those marginalised to create a better world for all women and girls. International Women's Day is a day for revolutionary action. We celebrate all the sisters around the world taking action today to claim women's voice and power, our space in society, on the streets, and claiming our place in leadership around the world. This is, of course, not the work of a single day or a single week, but is the continuous work of millions of women across the world on an ongoing basis. Today, I want to celebrate all the amazing and inspirational European Women's Lobby colleagues, members, allies, volunteers, partners, and activists who show up for each other every day with sisterhood, solidarity, and compassion. I want to celebrate each and every one of you for coming here today to deepen your engagement in making a feminist Europe possible. The European Women's Lobby brings together more than 2,000 women's organisations throughout the European Union to do this ongoing work campaigning for a feminist Europe. I say this recognising that in Europe today, because of political inaction, there has been no progress on women's rights in the European Union for a decade. While women, and especially women of colour, are seriously underrepresented in our political spaces, they are overrepresented amongst the poorest and most excluded in Europe. Every week, men are responsible for the murder of 50 women in the European Union. More than 9 million girls across Europe have experienced online harassment before they even reach the age of 15. Women account for only 24% of the people that we hear or read about in the European newspapers and on the television. In Europe, thousands of asylum-seeking and migrant women and girls are left at risk of or are currently undergoing sexual coercion, violence or exploitation as a direct result of political inaction. Human trafficking remains the fastest growing crime in Europe, and the vast majority of its victims are women and girls trafficked for sexual exploitation. The system of trafficking of women and girls for sexual exploitation is inseparable from the sex trade, inseparable from prostitution and from pornography. This is why, as part of our European election campaign for the forthcoming European elections, our campaign is called 50-50, Women for Europe, Europe for Women. We're delighted to have organised this event tonight with you and with the City of Brussels, with a focus on showing that we, all of us in this room and beyond, want to come together to make a clear statement that we object to being limited by the roles prescribed to us by society and the expectation that we will sit silently in the face of our sisters' exploitation. As women, we refuse to be treated as objects. As women, we object to our bodies being used by companies to sell products for corporate profit. We object to men viewing us as existing for their own comfort, pleasure, and use. We object to our sisters across the world being abused in the sex trade, while men who drive their exploitation live in impunity. We object to girls growing up and having their first sexual experiences marred by boys' attempts to recreate pornographic acts that they don't even understand themselves. We object to girls growing up with the expectation that sex has nothing to do with their own desire or pleasure. Instead, we're coming together to call for change. Central to our campaign manifesto for the European elections is setting out our vision for an alternative, forward-looking, feminist Europe that stands for the needs of all women and girls. This campaign is inspired by the need to spread solutions to the challenges faced by society and show that we are the progressive voices who can offer real, tangible change in the lives of all people who are disaffected.
We are working for a Europe where every child learns that their wishes will be respected, where women can explore their sexuality without fear of violence, where consent is only consent that is freely given without coercion, where if a woman is in poverty, she can access support and opportunities without having to endure sexual violence. We have power together. We won't let the opposition take away our power in ourselves, our power with each other, and our power to reshape our future together. We have decades of experience and collaboration and relationships to draw upon, experience of building coalitions and winning important battles. We need to harness this collective power for change, to target reforms of how society treats women's sexuality. We're coming together tonight to discuss the way forward to end this objectification, and in particular to highlight the actions everyone in this room can take, themselves and together. As the European Women's Lobby, we are clear that the sex trade is one of the deepest and oldest forms of oppression of women. And now, with the easy, universal availability of violent pornography, we see this system normalised in so many parts of society. We are clear that the sex trade is not about empowerment. It's a system created for men's sexual gratification to facilitate their control over our bodies, with particular impact on the most marginalised women, migrant women, women in poverty, women and girls who've grown up in insecure or abusive environments. And we will not accept it. This is why I'm so pleased that we could partner with the City of Brussels to bring this event forward and can be joined here today by our amazing colleagues who you're going to hear from very shortly. Pierrette Papp, the president of Izala, a frontline organisation here in Brussels, doing deeply important work directly supporting women affected by the sex trade. Yamo Arika, a researcher with Fondation Cell, who fights against the system of prostitution and the exploitation of prostituted persons. Camille Renard, director of the Belgian documentary we'll see shortly, entitled Metro Boulot pour nous. Valérie Dautefoot from the Université des Femmes, a research laboratory, feminist education space for reflections on the status of women. And Katrina Graham, policy and campaigns officer at the European Women's Lobby. Thanks to all the staff at the City of Brussels for their support and hosting the reception this evening. Special thanks to Barbara de Witte, who, for all her work over the past few months, has made this event happen tonight. And of course, while she couldn't be here with us tonight, Gail Dines, we want to thank for inspiring this event and allowing us to show parts of her documentary, Pornland, in her absence, and all the work she does every day to end pornography around the world. We wish her a speedy recovery. On a practical note, we are here to acknowledge and tackle the deep systemic inequalities that exist because of hypersexualization of women, by men, corporations, and by the sex trade. This means experiencing some discomfort. But we wish to warn you now that some of the content that you will see in the documentaries and hear about from our speakers will have explicit content that may be difficult to hear and witness. So if you feel that you need to step out of the room at any point, please feel free to do so. But we need to feel this discomfort because we want to challenge the status quo. Examine why these ideas persist, and we want to offer alternatives to truly empower women and girls. We want to make a clear statement that women and girls' rights must be a priority. Together, we can and will realise a women's revolution to build a society centred on care, on compassion, and true equality. The time is now. Thank you. Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, Joanne Lecoq a présenté les participants au panel tout à l'heure. Eh bien, moi, je ne serai pas intervenante, mais je suis Valérie Ledoux, directrice de l'Université des Femmes, et j'ai le rôle donc de modérer cette soirée ce soir. Je remercie bien évidemment les organisatrices de cet événement m'avoir invitée, d'autant plus que c'est un sujet qui me tient grandement à cœur. Merci vraiment. Donc, à M. Aurélie, à nous recevoir dans ce merveilleux cadre de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Donc, Madame Lecoq l'a dit tout à l'heure, Gail Dines s'est excusée de ne pouvoir voyager
pour l'événement aujourd'hui. Elle était ce qu'on en a dit qu'on puisse projeter ce documentaire, Pronade. Vous verrez que c'est un documentaire qui est très puissant. Dans son entièreté, celui-ci explore en fait de nombreux aspects de la prostitution et de l'histoire de la prostitution et raconte les origines de certains des actes les plus prolifiques et les plus violents qui sont devenus courants de nos jours. Vous allez en voir aujourd'hui un extrait, et comme l'a dit Joanna Maycock, nous rappelons qu'il y a dedans un contenu explicite, parfois extrêmement violent, et que vous pouvez vous sentir libre de vous éloigner si vous ne souhaitez pas être soumise à ces images. On va donc regarder un extrait de 15 minutes, et puis nous continuerons la soirée dans le déroulement qui est prévu. Merci. Féministe. Bonsoir, je m'appelle Yamour et j'ai contribué pour le prochain rapport mondial de la Fondation SEM qui paraîtra très prochainement et j'ai recherché sur la question de la pornographie. Et face à la violence que l'on voit dans la pornographie et que Gay Dance montre très très bien, il y a une suggestion qui part d'un très bon sentiment et qui est celle de se dire qu'on va juste changer le contenu de la pornographie. Ça part d'un bon sentiment, mais ça montre aussi à quel point on a du mal à se projeter dans un monde où la pornographie n'existe pas. Alors, la pornographie soi-disant féministe, ou vendre de la pornographie aux femmes, ça a déjà été essayé dans les années 90 et plusieurs magazines qui sont apparus et qui sont disparus aussi vite. Aujourd'hui, parmi les grands noms de la pornographie soi-disant féministe, la moitié des utilisatrices sont en fait des utilisateurs. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Et proposer même l'idée d'une pornographie féministe montre qu'on n'a pas très bien saisi la logique de la pornographie. Tout d'abord, la pornographie qui soi-disant se veut non-violente d'aujourd'hui, c'est, et là ça montre très bien, c'est la pornographie qui était courante il y a 30 ans. Et on le remarque au niveau aussi bien individuel que global, qu'il faut toujours plus et plus et plus. Du coup, on ne peut que s'attendre à ce qu'il y ait une escalade dans la violence dans ce genre de pornographie si elle veut survivre. Ensuite, l'idée que l'on puisse modifier le contenu part là aussi d'un bon sentiment, c'est de penser que la pornographie, c'est une question de dépeindre des fantasmes sexuels, c'est par rapport à la sexualité, quelque chose d'assez positif. Mais dans la pornographie, qui regarde qui? Des hommes regardent des femmes. On ne va pas voir de la pornographie pour voir du sexe, on va voir de la pornographie pour voir des femmes. Et dans la pornographie dite « gonzo », on ne voit même plus d'hommes, souvent. Du coup, nous avons les personnes, la catégorie sociale qui détient le pouvoir économique, politique, etc., les hommes, qui regardent les personnes, les femmes, qui n'en détiennent aucun. En fait, on regarde de la pornographie pour voir les personnes que l'on méprise. Et ce lien entre femmes, mépris et pornographie peut sembler vague. Du coup, en redéfinissant les catégories, on peut voir que l'idée du fantasme sexuel ne tient tout simplement pas. Par exemple, dans une Europe qui semble être de plus en plus xénophobe, il y a une explosion de la pornographie de femmes réfugiées. En France, le quatrième terme le plus recherché dans la pornographie est « beurette », c'est-à-dire une jeune femme arabe d'origine arabe. En Île-de-France, la région de Paris, le terme le plus recherché est « femme noire ». Et le premier pays au monde à consommer de la pornographie de viol collectif, c'est la France. L'enfer des tourmentes, ces cas de viol collectif dans les banlieues, il est là sous nos yeux. Ensuite, ce que l'idée de la pornographie comme simple fantasme sexuel ne peut pas expliquer, c'est pourquoi les cas individuels. Par exemple, Andrea Dworkin, une très grande féministe anti-pornographie, a été illustrée dans le magazine Hustler, le magazine pornographique Hustler. Mais certainement, les utilisateurs, les lecteurs de Hustler ne voulaient pas coucher avec Andrea Dworkin. Ils étaient énervés contre elle. C'est une question de hiérarchie, de colère et de mépris.
Et j'insiste sur l'idée de mépris, parce que l'idée de mépris fait partie du mot même, pornographie. Pornographie signifie porné, ça vient de porné et graphos. Donc graphos, représentation visuelle, et porné. Et les pornés sont des esclaves sexuels en Grèce antique. Et elles sont même pas au plus bas de l'échelon social, elles sont sous terre. Parce que même les esclaves sexuels, les garçons esclaves sexuels, une fois adultes, peuvent abuser d'elles. Et dans les mots toujours d'André Dworkin, la pornographie, c'est de fait la représentation visuelle des femmes prostituées exécrables. Mais il ne faut pas se leurrer par le mot représentation. Parce que ce qu'on voit dans la pornographie, ce n'est pas un jeu d'acteur ou d'actrice. Ça se passe vraiment. On ne fait pas semblant d'uriner sur quelqu'un dans la pornographie. On ne fait pas semblant de la double, triple pénétrer. Double, triple pénétrer une femme dans la pornographie. La pornographie, c'est un acte. Ce n'est pas juste un moyen visuel. C'est une action. Et de fait, par le mot même, c'est une action qui est extrêmement liée à la prostitution. En fait, la pornographie est une forme particulièrement violente de prostitution. Prenons une définition simple de prostitution sur laquelle j'aimerais réfléchir avec vous. Et c'est acte sexuel en échange d'argent. La définition n'exclut pas du tout la possibilité que ces actes soient filmés et rembobinés à l'infini. La prostitution, c'est une forme de violence masculine envers les femmes. Et je pourrais vous parler des chiffres. Je pourrais vous dire que dans la plus grande étude jamais menée sur le sujet, sur plus de 800 femmes prostituées dans plus de 9 pays, il en ressort que 2/3 des femmes interrogées présentent des syndromes de stress post-traumatique similaires à ceux de vétérans de guerre ou de survivants de torture. Et je pourrais vous dire que 89% des femmes interrogées disent que tout ce qu'elles veulent, c'est quitter la prostitution. Mais les faits ne sont pas tendance de nos jours. Du coup, j'aimerais penser à la logique de la prostitution. Dès qu'on dit prostitution, Yéda l'a montré aussi, on parle tout de suite de choix. C'est drôle quand même que ce soit toujours les mêmes personnes qui fassent les mêmes choix, que ce soit toujours les femmes qui veulent être prostituées et les hommes qui veulent prostituer. On parlera peut-être de choix le jour où il y aura autant d'hommes italiens dans les rues de Benin City au Nigeria que de femmes nigérianes dans les rues de Turin en Italie. Tout comme les désirs ne sont pas des droits, le fait de parler de choix, ce n'est pas une justification. Peut-être que ça explique quelque chose, mais ça ne justifie rien du tout. De plus, le choix n'indique en rien la désirabilité ou non d'un acte. De fait, je voudrais avancer que la pornographie ne peut jamais, jamais, la prostitution ne peut jamais, jamais être un acte de choix individuel. Pourquoi ? Parce que la pornographie est le fruit d'une relation. C'est un phénomène social qui ne peut exister sans la rencontre de deux personnes au moins. Et on le comprend par exemple dans d'autres phénomènes. Par exemple, l'enseignement. On ne peut pas avoir d'enseignement sans enseignant et sans élève. C'est le fruit d'un binôme. C'est pareil pour la prostitution. Même dans le cas le plus hypothétique où une femme demain se dit « c'est génial, je veux être prostituée moi aussi », elle pourra attendre toute sa vie. Tant qu'un autre homme ne décide pas de la prostituer à son tour. La prostitution est le fruit d'un binôme, homme prostitueur, femme prostituée. C'est une pratique sociale. Mais parler de choix ne nous dit rien du tout sur ce qu'est la prostitution. Et là encore, une suggestion assez typique, c'est de dire que c'est un travail. Et là aussi, je pense que ça parle d'un bon sentiment, parce que ça ressemble presque à un travail. Mais utiliser son corps, ce n'est pas pareil qu'autoriser l'accès à son corps. Par exemple, certes, un danseur utilise son corps et son intellect pour créer son art, mais à aucun moment, il n'autorise le spectateur à monter sur scène et à commencer à le tripoter. Il y a une différence. Ensuite, il y a cette idée que, après tout, ce n'est pas l'accès au corps, c'est juste l'accès au vagin, à l'anus, hein, et il y a cette idée que c'est une question d'achat-vente de sexe. Ce que cette proposition implique, c'est l'idée que le corps et l'esprit viennent en pièces détachées. Il y a une dissociation inhérente à cela. Et en fait, avancer l'idée que le corps et l'esprit puissent être complètement détachés l'un de l'autre, ça reprend des schémas sexistes où la femme est corps et l'homme est esprit.
Et on le voit très bien dans la pornographie, où on nous fait croire que l'affront à le corps d'une femme, ce n'est pas un affront à son être. Par exemple, il y a ce pornographe qui s'appelle Max Hardcore. Et l'une de ses jeux, je ne sais pas comment appeler ça, à ce moment-là, c'est tellement douloureux, un de ses trucs préférés, c'est de mettre un spéculum dans l'anus de femme, d'uriner dedans, de leur donner un tuyau pour qu'elles l'insèrent dans l'anus, leur faire aspirer cette urine et avaler. Et ça, ça se passe, c'est sur Internet, c'est en ligne. Et au lieu d'appeler ça de la torture, qui serait le cas, on appelle ça, je ne sais pas, du sexe, je crois. Mais le sexe, comme l'explique si bien la féministe suédoise Kajsa Ekis-Ekman, ne peut pas être acheté ou vendu. On ne peut pas dire bonjour, j'aurai des kilos de sexe, s'il vous plaît. Le sexe, aussi bien compris en tant que relation ou en tant qu'organe, ne peut être détaché, ne peut être vendu. De fait, payer pour une pénétration vaginale, ce n'est rien d'autre que payer pour l'accès au vagin d'une femme, et donc à son corps, et donc à son être. Mais prenons la relation dans l'autre sens. Si demain la prostitution venait en devenir un travail, c'est génial. Demain, on se réveille, c'est un métier comme un autre. Qu'est-ce qui se passe? Si un patron dit à son employé, tu seras bien gentil, après avoir terminé ton rapport, tu viendras passer sous la table, ben, ça ne sera plus un harcèlement sexuel. Ce sera juste un ordre professionnel, parce que c'est une demande professionnelle. On peut demander des actes sexuels professionnellement. Et soit, dans ce cas-là, on décide que le métier, le formidable métier de femme prostituée est le métier le plus discriminant au monde, parce qu'il n'y a aucune protection pour l'intimité ou la sexualité des femmes impliquées, soit on décide d'étendre cette logique à l'ensemble du corps professionnel. Dans ce cas-là, on peut dire au revoir à toute protection de notre sexualité et de notre intimité. Il ne s'agit pas là de, comme le dit Joëlle Martine dans son livre Viol, location, il ne s'agit pas là de poser des tabous ou de sacraliser la sexualité, mais de comprendre qu'il faut la protéger. En parlant justement de sexualité, l'autre idée par rapport à la prostitution, c'est que la prostitution, c'est du sexe consensuel entre adultes. Déjà, la partie adulte est complètement fausse, parce que l'âge moyen d'entrée dans la prostitution est de 14 ans. Et comme le dit si bien Catherine McKinnon, une femme adulte dans la prostitution, c'est tout simplement une femme qui a survécu à son entrée dans l'adolescence. Ensuite, sur la question du consentement, consensuel entre. Le consentement, c'est une notion quand même particulière. Parce que le consentement entre, c'est difficile à avoir. Parce que le consentement, c'est unilatéral. Consentir signifie être d'accord avec. Du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait proposé quelque chose en premier lieu pour que la personne en face dise oui ou non. Et déjà, de là, on comprend que le consentement est hiérarchique. Et là encore, on reproduit des schémas sexistes. L'homme actif propose, la femme passive ne peut dire que oui ou non. Mais même, que reste-t-il du consentement lorsqu'il est monnayé? Imaginons qu'à la fin d'une passe prostitutionnelle, l'homme prostitueur ne paye pas la passe. Est-ce un vol ou un viol? Si on dit que c'est un vol, on a intégré la logique prostitutionnelle qui veut que des femmes et des filles puissent se transformer en marchandises. Et dans ce cas-là, on n'a plus aucune raison d'avoir des lois protégeant notre sexualité, encore une fois. Puisque un viol serait l'équivalent de voler des petits bijoux dans un H&M, ou peut-être, si on va encore plus loin, parce que c'est juste une question de propriété privée, on nie aussi pas que notre protection à l'intimité, mais la protection à l'humanité. Un enlèvement de personnes serait aussi, encore une fois, un simple emprunt et autres. Mais quand on dit que si on admet que c'est un viol, le fait de ne pas payer à la fin d'une passe prostitutionnelle, notre définition du viol se réduit à l'absence de paiement. Par exemple, si après un cas de viol, il y a une compensation monétaire, ce qui est compris dans cette logique, si on reste dans la logique prostitutionnelle, c'est qu'en fait, il n'y avait pas eu de viol,
mais que la passe a été payée. Et même si on reprend l'idée de travail, on dit juste que c'était un retard de paiement pour une prestation professionnelle. Maintenant, prenons la relation de l'autre sexe. Demandons-nous. S'il n'y avait pas l'argent, le rapport aurait-il eu lieu? Non. Pas d'argent, pas de rapport. Comme le dit Elise Bouvet, le fait qu'il y ait l'argent, c'est bien la preuve que le consentement est absent. Si le consentement était là, on n'aurait pas du tout besoin. De ce fait, l'argent dans la prostitution, c'est le couteau et le pansement. Non seulement il permet de contraindre à une relation sexuelle, mais aussi il permet de masquer la contrainte. Qu'est-ce qu'un rapport sexuel contraint ? Un viol. De fait, la prostitution est une forme de viol tarifé. Maintenant, je n'ai pas juste voulu divaguer sur la prostitution, parce que j'ai dit au début que la pornographie est une forme de prostitution filmée. Et on retrouve ce schéma dans ces films. Est-ce que les femmes que nous voyons dans ces vidéos auraient été là si ce n'était pas pour l'argent ? L'argent est essentiel dans la prostitution et ça définit fondamentalement le rapport qui le différencie drastiquement dans une simple relation sexuelle. Et puisque la pornographie est de la prostitution filmée, la pornographie est une forme de viol tarifé filmé. C'est difficile que ça soit féministe dans ce cas-là. Et ça peut paraître non-violent, ça peut sembler représenter une simple relation sexuelle, mais il ne faut pas oublier qu'elle est contrainte. Du coup, en pensant à la pornographie, en pensant à la prostitution, il faut modifier notre manière de penser et aller de l'idée de sexe contre de l'argent à l'idée de viol avec de l'argent. Je vous remercie. Merci pour cette présentation, les gourous. Nous allons maintenant retourner du côté des images. Je vais donc vous présenter le documentaire que Camille Bernars a créé. Il s'agit d'un travail de fin d'études qu'elle avait effectué il y a quelques années. Un travail de fin d'études qui représente 2 ans d'enquête, qui est intitulé « Métro, boulot, porno ». Camille sera avec nous tout à l'heure pour discuter de ce travail, mais je propose qu'on passe directement à la projection de l'extrait. C'est une actrice également de lutte contre l'objectivation du corps des femmes. Pierrette Pape, qui est présidente d'Isala, Isala SBL, une association qui rassemble des volontaires de tous âges en Belgique qui pourraient venir en soutien aux femmes prostituées en les contactant et en les accompagnant dans leur cheminement vers une vie meilleure. Alors, Isala fait aussi du travail de sensibilisation à la réalité de la prostitution par le biais de propositions culturelles. Et Pierrette Pape est également coordinatrice d'un groupe nommé Génération Abolition qui rassemble de jeunes féministes, abolitionnistes, féministes de toute l'Europe. Je lui cède la parole le temps d'une vingtaine de minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par vous présenter brièvement ce que fait Isala, puisqu'on est à Bruxelles et qu'on a une association qui agit sur le territoire de la région de Bruxelles. Et puis ensuite, j'avais envie de parler de la question du marketing et la question des liens entre prostitution, pornographie et marketing. Et puis ensuite, amener la question de la prostitution des jeunes, prostitution des enfants, et l'impact de la prostitution et de la pornographie sur les jeunes. Je pense que c'est un sujet important. Si on veut prendre des décisions politiques pour le futur, il faut se poser la question de l'impact de nos décisions sur les jeunes. Et est-ce que ces décisions valorisent l'égalité femmes-hommes ou pas ? Donc Isala, on est en effet une association de terrain. On va tous les jeudis soirs à la rencontre des personnes en situation de prostitution. Vous avez plutôt un bénévole d'Isala dans la salle, donc vous pourrez discuter avec elle à la fin pendant le drink.
Et donc tous les vendredis, on les accueille lors d'une permanence d'accueil où elles peuvent venir pour prendre un temps pour elles, pour sortir de l'isolement du système prostitutionnel, et puis pour être accompagnées dans des démarches. On fonctionne sur le principe de l'intervention féministe, c'est-à-dire que toute demande doit venir des personnes, elles arrivent avec l'endroit où elles en sont dans leur cheminement, et on est là pour les accompagner dans leur choix et dans leur désir. De manière générale, on va sur Isère pour Moselleville et Avenue Louise, pour vous donner une idée des personnes qu'on rencontre. Sur Isère, ce sont principalement des Bulgares, des Roumaines, quelques Nigérianes, des transsexuels et quelques hommes travestis. Sur Louise, ce sont en grande majorité des jeunes femmes albanaises. Et rapidement, ce qu'on constate dans la réalité de la prostitution en Belgique, c'est ce qu'on constate dans le monde entier, que le système de la prostitution est au carrefour de trois formes d'oppression. La première, elle est évidemment sexiste. La grande majorité des personnes qu'on rencontre sont des femmes, ou, comme je vous ai dit, des transsexuels, donc hommes devenus femmes, ou des hommes qui se travestissent en femmes. Donc on est dans l'image de la femme, et la grosse majorité des clients sont des hommes. On est clairement dans un phénomène genré, qui n'est pas fait parler de notre société, il fait partie de notre société, puisqu'on est dans des sociétés, comme Joanna l'a dit, avec des inégalités femmes-hommes très prégnantes, des inégalités de salaire, des inégalités de pouvoir, et ça se retrouve naturellement dans la prostitution. L'autre forme d'oppression qu'on retrouve dans la prostitution, c'est le racisme et l'exploitation des plus vulnérables. Les personnes bulgares que vous trouvez à Isère ou dans les vitrines de la rue d'Arscot vont faire partie de la minorité turcophone de Bulgarie. Les Roumaines vont souvent venir des minorités roms dans leur pays. Et on retrouve le même schéma au niveau international. Quand vous allez au Canada, ce seront les femmes autochtones. En Inde, ce seront les femmes des basses castes. Aux États-Unis, ce seront les femmes afro-américaines. On retrouve systématiquement l'exploitation des personnes les plus discriminées, les plus vulnérables dans la prostitution. Il y a 40 ans, c'était les jeunes femmes des campagnes qui se déplaçaient pour aller vers la ville parce qu'elles étaient dans des contextes économiques difficiles. Aujourd'hui, ce sont des personnes des pays plus pauvres qu'on retrouve sur les trottoirs de Bruxelles et des autres grandes villes européennes. Et la troisième forme d'oppression qu'on retrouve dans la prostitution, c'est évidemment l'oppression économique. Le fait que les personnes qui sont dans la prostitution sont des personnes qui sont face à des situations économiques très compliquées. Ça peut être parce qu'elles viennent de Roumanie, de Bulgarie, où le salaire moyen est à 150 euros par mois. Ça peut être parce qu'elles ont un frigo vide et trois enfants à nourrir, et donc elles peuvent faire appel à des sites internet, devenir escorte, parce que c'est beaucoup moins humiliant que de se retrouver sur un trottoir ou dans une vitrine. Et donc on est face à chaque fois à des personnes qui sont dans une pauvreté extrême. Les personnes qu'on accompagne ne sont pas riches et n'ont pas de voiture, d'appartement, elles ne cumulent pas de l'argent, et quand elles sortent enfin de la prostitution, elles n'ont plus rien, en général. Donc on est face à un système mondial qui profite du capitalisme à expansion, du racisme et du sexisme pour aller chercher à chaque fois les personnes les plus vulnérables. Et si vous demandez à des proxénètes ou à des jeunes recruteurs, qu'on va appeler loverboys dans certains cas, ils vont toujours vous dire que la stratégie, c'est d'aller chercher dans les quartiers populaires ou dans les villes, d'identifier les jeunes femmes qui sont en rupture familiale, qui sont un peu paumées, et en fugue ou en situation difficile, et ce sont les meilleurs proies pour ensuite être séduites et amenées dans le système de la prostitution. Mais ça m'amène du coup à la question du marketing, et je voulais vous partager les résultats d'une étude qui a été faite en Australie il y a quelques années. Donc il y a un état d'Australie, les Nouvelle-Galles du Sud, qui a complètement légalisé le proxénétisme, où on peut ouvrir des bordels comme n'importe quel entrepreneur. Mais dans cet état, il y a en fait des gens qui sont allés voir une banque en demandant à la banque: je veux investir de l'argent, dans quel secteur est-ce que je dois aller pour investir et pour faire un bon rendement, pour être productif? Et la banque a fait une étude très sérieuse, hein, c'est une banque, elle a fait une étude très sérieuse et très pragmatique, et elle a regardé les différents secteurs d'activité, et la conclusion a été qu'il fallait investir dans la prostitution, dans les bordels.
pour deux raisons. La première, c'est que ce qui est compliqué en général quand on veut investir dans un secteur d'activité, c'est qu'il y a un turnover des employés, et puis ça prend du temps parce qu'il faut les former, alors que c'est de la perte de temps. Dans la prostitution, il n'y a pas de formation. Le turnover, il va très vite. Il suffit d'aller faire appel à la traite des êtres humains, et on remet une jeune femme sur le marché sans formation. Donc c'est très efficace, on ne perd pas de temps en main-d'œuvre, en formation, management. L'autre gros avantage, c'est que la banque expliquait que toute entreprise, tout secteur a besoin de publicité pour être évidemment pour faire son chiffre d'affaires. Par exemple, pour votre information, le secteur de la lessive dépense 13% de son chiffre d'affaires pour la publicité. Mais l'avantage de la prostitution, et c'est ce que dit la banque, c'est que la prostitution n'a pas besoin de publicité. La pornographie est là pour ça. Et donc c'était ce que je voulais vous amener comme information qui explique très clairement les liens entre les deux, mais qui explique aussi comment on a réussi à créer une industrie du sexe très bien organisée, avec la pornographie, comme le montre Gaïdas, qui éduque les garçons à consommer, à déshumaniser les femmes, et de l'autre côté, la prostitution qui permet de passer à l'acte sans publicité, et de pouvoir renforcer cette masculinité toxique qui est en train de se développer. Donc ça amène le sujet du marketing. Aujourd'hui, j'étais à Namur pour discuter de la prostitution étudiante à la maison de l'adolescent. Et je voulais juste amener des éléments, comment le marketing a réussi à enrober les choses. Donc on a parlé, Camille montrait dans son documentaire, le porno chic, mais il y a aussi tous ces jolis mots comme les sugar daddy et les sugar baby. Vous avez sûrement entendu parler de cette publicité qui est venue devant l'ULB. Alors, petit quiz, hein. Le site internet qui a fait cette pub s'appelait Rich Meet Beautiful. Alors, Rich, à votre avis, c'est qui? Les hommes. Personne ne pense aux femmes, je ne comprends pas. Et donc, les beautiful, ce sont les femmes. Donc, on est déjà dans du gros stéréotype. Si vous allez sur ces sites, vous verrez que les hommes s'inscrivent, donc eux, ils payent hein, pour s'inscrire, évidemment. C'est ce qui fait marcher le site, et eux s'inscrivent en indiquant leur chiffre d'affaires, en indiquant l'argent qu'ils brassent pour pouvoir montrer leur pouvoir. Donc le pouvoir masculin dans ces sites, c'est l'argent. Les femmes s'inscrivent, c'est gratuit par contre pour elles, et ce qu'elles doivent donner comme information, c'est une jolie photo et leur mensuration. Donc on est déjà dans un marketing qui joue sur les stéréotypes, la thématique d'aujourd'hui, et qui veut banaliser les choses avec de jolies images, avec une idée de, voilà, regardez, la femme elle est jolie, donc elle est contente, et puis l'homme il a de l'argent, mais c'est quand même quelqu'un de bien. Et sugar daddy, sugar baby, ça veut quand même dire papa en sucre. On est en train de banaliser donc, des échanges sexuels soi-disant consentants, en appelant l'acheteur un daddy, donc un papa en sucre en plus, et la femme qui va être achetée sera un baby, un bébé. On est quand même dans des sociétés qui essayent, avec des lois et des actions, d'interdire l'inceste, d'interdire les violences faites aux enfants. Et qu'est-ce qu'on a? On a un marketing qui, parce que c'est en anglais et que nous on est peut-être un peu bêtes francophones ou néerlandophones, on ne comprend pas bien, mais on est en train de nous dire qu'on banalise des relations incestueuses complètement, et que tout va devenir normal parce qu'il y a de l'argent et que tout est consentant. Du coup, ça m'amène à parler de la valeur commerciale de la jeunesse. Dans la prostitution comme dans la pornographie, la jeunesse vaut beaucoup d'argent, c'est ce qui rapporte le plus. Vous avez beaucoup de sites d'escorte et aussi donc d'actes de vidéos pornographiques qui sont sur des étudiantes, où les personnes vont s'habiller en étudiantes pour faire croire qu'elles sont plus jeunes, parce que ça excite messieurs de pouvoir aller pénétrer une jeune étudiante. Il y a encore cette idée. Donc on retrouve ça beaucoup dans l'escorting et dans la pornographie. Et on retrouve aussi cette idée que plus les femmes sont jeunes, plus elles valent de l'argent. On a vu quand les jeunes femmes nigérianes étaient transportées par bateau pour arriver en Italie, que les stratégies des passeurs étaient de mettre les jeunes en plein milieu du bateau. Parce que si jamais il y avait des remous et que par accident certaines personnes tombaient sur les côtés, il fallait garder les plus, celles qui gagnaient plus d'argent au milieu, les plus jeunes. Donc on est dans cette logique où la jeunesse vend.
une survivante de la prostitution qui a été donc qui a été amenée à se prostituer quand elle était ado, donc elle a été rejetée de son foyer et qui a été dans la rue quand elle avait 14-15 ans, disait que tant qu'elle ne ressemblait pas vraiment à une femme, tant qu'elle était pas trop formée physiquement, elle n'avait pas de proposition financière. Du jour où elle a eu ses seins qui se sont formés de manière beaucoup plus claire, à ce jour-là, les hommes sont venus et lui ont proposé de l'argent contre des actes sexuels. Et elle dit clairement, alors que je vous rappelle que c'est interdit en Europe d'acheter du sexe de personnes de moins de 18 ans, elle dit, à partir du moment où il y avait des seins, il n'y avait plus d'enfance. Donc la présence des seins donnait aux hommes la justification de leur acte et même, finalement, aussi l'excuse. Et ça a été le cas avec, si certains d'entre vous se souviennent du cas des joueurs de foot français qui avaient acheté les services sexuels d'une jeune femme qui avait 16 ans à l'époque, mais qui évidemment avait l'air très bien formée. Et donc ils ont dit, mais je ne pourrais pas deviner, enfin, regardez à quoi elle ressemble. Donc c'est la faute de cette jeune femme que, avant 18 ans, de ressembler à une femme qui devrait, en tout cas d'avoir l'image de cette femme qui devrait être adulte. Donc on est vraiment dans un marketing et dans un imaginaire, une culture du viol qui permet aux hommes de se dédouaner complètement et d'exploiter des personnes de plus en plus jeunes parce que, comme ça a été dit, l'âge d'entrée dans la prostitution c'est 14 ans, mais on voit de plus en plus de jeunes femmes. Ici à Bruxelles, tout le monde a été choqué de voir les jeunes Nigérianes qui sont arrivées, qui étaient très jeunes. C'est choquant parce qu'elles sont dans la rue, mais ça se passe de manière invisible et ça se passe aussi parfois de manière justifiée avec un joli relativisme culturel quand les hommes d'affaires vont en Thaïlande acheter du sexe de jeunes enfants en se disant que ben, c'est quand même ils ont une relation à la promiscuité qui est différente de la nôtre et puis ça leur amène quand même un petit peu d'argent parce que c'est mieux que rien pour la famille, ils sont pauvres. Il y a plein d'excuses comme ça qui se mettent en place qui permettent de justifier finalement le recours à la prostitution par les hommes. Et je voulais aussi amener des éléments pour montrer l'impact de la prostitution et la pornographie sur les jeunes en vous partageant une étude qui a été faite en France à la frontière avec l'Espagne. Donc c'est la zone qui est proche de la Jonquera, pour celles et ceux qui connaissent, qui est une zone où il y a vraiment c'est une zone de commerce sans taxe, donc cigarettes, alcool et bordel. Et tous les jeunes français connaissent cette zone, parce qu'évidemment, beaucoup vont. En France, c'était interdit, et c'est toujours interdit d'ouvrir un bordel, donc beaucoup passent la frontière. Et dans cette étude qui a interviewé des jeunes de 17 à 35 ans, ce qu'on constate, c'est que dans la région, la présence de ces clubs de prostitution fait que la prostitution est devenue finalement normale, banale. Donc dans la culture populaire, on va avoir la prostitution dans le champ du club de foot, dans les soirées, tout, finalement ça se banalise. Donc on retombe dans le marketing qui banalise. Là, je vais faire une petite parenthèse parce que hier, on a projeté un film qui s'appelle Le Proxénète, qui se passe en Espagne. C'est un proxénète espagnol repenti qui raconte. Et il explique que ce qui est important en tant que propriétaire d'un bordel, c'est de faire en sorte qu'ils soient vus comme étant clean, comme voulant payer évidemment leurs taxes, comme voulant payer tout bien, et que le client croit que tout est bien, que les femmes sont contentes. Donc le marketing est fait pour que tout le monde pense que tout se passe bien, et ces clubs dans les villes où ils s'installent en Espagne, ils vont payer les t-shirts du club de foot, ils vont payer la salle pour le club de chant. Et c'est comme ça qu'ils finissent par sponsoriser l'équipe de basket. Et ils finissent par être vus comme des bons contributeurs à l'économie locale. Et du coup, c'est très difficile ensuite pour les communes et pour les pouvoirs publics de se rendre compte de ce qui se passe. Et donc, cette étude qu'elle a montrée, pour reparler des jeunes, pour les jeunes garçons, la présence de ces clubs, donc tous les jeunes connaissent le nom de tous les clubs, ils savent tout ce qui se passe à l'intérieur dès l'âge de 12 ans, donc toutes les pratiques qu'il y a à l'intérieur, ils savent. À 12 ans, ils savent peut-être pas trop à quoi ça ressemble, mais ils ont la pornographie pour les vérifier. Et puis, les garçons, ça devient un rite de passage obligé. C'est-à-dire que si à 18 ans, ils ne sont pas allés au club, ce ne sont pas des vrais hommes. Soit dit entre parenthèses, peut-être qu'ils sont homosexuels.
Ce qui veut aussi dire que la prostitution, c'est une forme de contrôle social hétérosexuel très fort. C'est qu'un homme, il doit être hétéro, il doit aller au club, il doit monter avec une jeune femme. Donc d'ailleurs, ils y vont entre potes et il y a toujours des potes pour aller vérifier que tu vas bien dans la chambre avec la dame. Mais surtout, ne pas être gay. Et ça, je trouve que c'est un argument intéressant parce que parfois, on n'est pas vraiment d'accord avec les assos LGBT qui prônent le travail du sexe. Pour moi, la prostitution est vraiment ce qui renforce encore plus l'hétéronormativité. Donc c'est intéressant de lire l'étude parce qu'il y a des jeunes garçons qui expriment le désarroi de se retrouver dans ce club avec l'impression que c'est une usine, que personne ne s'intéresse à eux et que leur première relation sexuelle, ça va être dans cet espace. Mais il y a le grand-père qui lui a pris ça pour ses 18 ans ou une maman qui dit « ouais, mais quand même, faut que tu y ailles parce que sinon, t'es pas normal ». Donc il y a une vraie pression sociale. Et sur les filles, la pression sociale, évidemment, elle est différente, c'est qu'elles n'auront jamais le droit d'aller dans ces clubs, parce qu'il faut savoir que c'est interdit aux femmes. Évidemment, vous voyez de quelles femmes parlent, donc ce n'est pas interdit. C'est interdit aux femmes qui pourraient avoir envie d'aller dedans en tant que cliente ou en tant que personne. Mais du coup, il y a un imaginaire qui se met en place chez les jeunes femmes, où elles imaginent que ces femmes dans les clubs sont magnifiques, c'est un peu pretty woman, elles sont... Et donc ça crée d'une part un stress énorme sur elles-mêmes, sur leur estime de soi. Beaucoup disent qu'elles veulent changer leur apparence, elles se trouvent jamais assez belles. Donc ça renforce, en plus de toute la culture, on va dire, hypersexuelle dont on a vu les images, ça renforce l'idée que nous ne sommes jamais assez belles. Et par ailleurs, ça crée aussi des relations complètement inégalitaires avec les garçons. Les garçons disent eh ben, « si tu ne veux pas faire ça, moi je vais au club ». Ou alors, et là on va dans un autre sens, ils vont dire « toi, tu vas être la mère de mes enfants, tu es pure, mais moi j'ai quand même besoin de sodomie, donc je vais aller au club, elles sont faites pour ça, elles sont sales pour ça, j'y vais ». Et là vous voyez aussi l'impact de la pornographie, puisque les garçons se font donc des idées de ce qu'ils veulent, et après se refont en plus une idée de ce que les femmes propres sont censées faire, et versus les femmes qui sont dans les clubs, ce qui est une forme de racisme énorme, puisqu'ils considèrent que ces Bulgares et ces Roumaines ne sont pas des personnes, elles sont là pour ça. Je vais vous citer une phrase d'un de ces jeunes qui dit « Nous les Français, on va profiter des filles à la Jonquera, on ne pense pas à ce qu'il y a derrière, on est des consommateurs. On va bien acheter des œufs alors que les poules sont dans des mauvaises conditions, mais bon, on les mange quand même. Dans la société de consommation, c'est comme ça, on consomme, et même s'il y a des choses négatives, c'est pas notre problème, on est là pour ça, et donc même pour les femmes, c'est pareil. » Donc on en est à cette situation où la pornographie alimente un imaginaire qui est donc irréel, et qui amène à ce que l'existence de la prostitution, qui est donc la concrétisation de la pornographie, l'expérimentation de la pornographie, amène à complètement... tuer les relations femmes-hommes et créer des relations complètement inégalitaires, puisque du coup les jeunes filles n'ont plus de marge de manœuvre dans leurs négociations avec les garçons par rapport à leur vrai désir de sexualité. Voilà, et je voulais aussi juste dire qu'en regardant les images de Portland, ça m'a fait penser à... je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, les femmes étaient intervenues lors d'un festival de l'érotique, qui était comme un festival du porno, parce que vraiment l'érotique qui était vendue. Et c'était juste très, finalement très drôle de voir qu'on les a attaqués pour, évidemment, elles sont venues torse nu pour aussi dénoncer avec des messages, et on les a attaqués pour exhibition, alors que ce qui était vendu dans ce forum, c'était vraiment des images de torture et de violation des femmes. Donc on est vraiment dans un contrôle patriarcal de l'image des femmes et un marketing qui fait qu'il y a des choses acceptables. Et par contre, il y a des choses... Il faudrait que nous, les féministes, on reste quand même assez calmes et gentilles pendant que les femmes sont violées en permanence dans la pornographie. Donc voilà, en tout cas, nous, à Isala, on constate dans les rencontres qu'on fait avec les jeunes que la pornographie est très présente et que du coup, ça amène beaucoup de mythes sur la prostitution qui font partie de ce marketing, comme quoi la prostitution, ça évite les viols, et puis comme quoi, finalement, elles aiment bien ça, etc. Et la pornographie alimente énormément tout ça. Et c'est vrai que, comme le dit Guy Dines, c'est très inquiétant si les hommes deviennent éducateurs, professeurs. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'éducation de nos enfants? Donc j'espère qu'on va pouvoir débattre du modèle de société qu'on veut ici à Bruxelles et en Belgique. Merci.
Enfin, merci Pierrette pour la présentation donc, de la SBL et du contenu de la présentation. Je vais maintenant demander à Catriona Guam, du Lobby Européen des Femmes, de venir s'exprimer. Catriona est responsable des politiques et des campagnes au sein du Lobby Européen des Femmes. Elle y coordonne les activités de lutte contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, dont notamment la prostitution, la pornographie, ou encore la gestation pour autrui, ainsi que la question donc, des droits sexuels et reproductifs qui sont donc, retirés aux femmes. Elle décrira le travail du lobby dans ce domaine et présentera ses propositions de changement. Voilà, Catherine. Thank you, Valerie. So, when we walk around the streets every day, what do we see? What are we presented with? And what are the messages that it sends to us? To men, to women, to girls, and to boys. These are some examples of what we're faced in public spaces. It's on the streets, it's in the internet, everywhere we look, we see images of women. Sometimes we see their faces, but are they engaged? We need to ask ourselves, who decides these narratives? Who are the authors of these stories? We need to remember that all of these images are legal. They're deemed acceptable by society, and they're all using women for profit. How do we respond to these? How do we ask who holds the power here? Who decides whether these images are problematic, if they're funny, if they're pornography, or if they're just part of the world that we live in? Who are these images aimed at? Who's part of the story here? And who is the main controller of the narrative? As we talk about these issues, as we draw the connections between media, imagery and pornography, we need to be able to remember the context in which we're discussing this. We need to remember that between 40% and 50% of women report some sexual harassment in the workplace, that 7 women die every day in Europe from domestic violence, and that 1 in 3 women are victims of male violence. We need to question how these are connected. We need to set this conversation in the context of the reality that we face daily. And we need to see how does society enable men's actions when they're committing this violence against women. A few years ago, the Women's Lobby recognised the need to map and challenge the growing violence against women being experienced online and created a report, Her Net, Her Rights. And thanks to Pierrette, our colleague who's just spoken, and to Asha, who's involved in the creation of this report. Her Net, Her Rights maps the connections between social media online, where we all publicly engage, where all women can be impacted, particularly impacting young girls and politicians who are targeted massively, who face regular violence just for trying to speak out, reclaim their power and hold a space in our society. How does this connect to the darker online spaces on the internet? Where girls experience massive exploitation, images are revealed that are part of their private lives. This is the example of one girl who spoke about how she was groomed into sending nude photography, which was eventually released online, shared publicly so that she could no longer reclaim the image of her own body. She lost her bodily autonomy. She lost how to tell her own story. 9 million girls have experienced violence online by the time they're 15 years old. Women are 27 times more likely to be harassed online. In the UK, online chat child sexual abuse referrals have increased 700% since 2014. This is a growing problem. This is an epidemic in our societies, and not enough action is being taken to respond to it. We need to recognise also that it affects some groups of women more than others. This is a quote from a woman who was part of Parliament from African origin. She recounted how a billboard in her country, paid for by far-right groups, demanded that she be whitened with bleach and burned alive. As we see this, we need to question, why is this message legal? Why was this message allowed to be put in a public space? Somebody created this ad. Somebody allowed it to go through a process. Somebody accepted this, said that it was part of a message that we could send out to the public. How could this be? And what are the impacts of the laws that we can create to prevent and stop this kind of violence? We need to question how media plays a role in these stories that are told. We need to remember that 24% of people that we hear or read about online in the news online are women.
This is a huge discrepancy. So the stories being told about women are by men. The images that we see are created by men. They are the ones who are deciding the messages that go out. Women are not the ones who are able to claim their stories, claim their narratives, claim their experiences. They are not the ones who are able to challenge and create the responses that are needed. It is totally possible to change this situation. We need better laws, better regulations, and we can see immediately the impact this would have. I'm going to bring to light two examples from just this week alone, where we can see exactly the kind of difference that better laws and regulations would have. These are images that were sent out online over the last week. They're by an ad company, a watch company, who are trying to sell their watches through using the objectification and violence against women. They are telling a story that men's control makes them powerful, and powerful men will wear these watches. It's creating this narrative of power that says that if you want to be a true man, you need to control women, and this is the kind of person that we are trying to speak to. Of course, this raised huge challenges online. Women spoke out, as we are now able to do. They claimed their power and they said, we do not accept this. We do not accept this as our reality. So what was the response of the advertising company? They came out with an apology. They said, we're very sorry. We strongly support gender equality. We condemn all forms of violence. It's terrible. And did they really believe this? Did they really think this? Of course, some men came in and wanted to have their say, because every time a woman tries to speak up, this is what we see happening. And they said, it's only the feminazis who are trying to get laid. They just need to relax. We need to ignore this. What was the response of this ad company who condemns violence and supports gender equality? They went through these comments and they liked each one that was made by a man. So we need to question the message that's being sent. Again, where are they thinking? What can they get away with? They were clearly pushing this as far as they could. Companies now have to show some kind of support towards equality, some kind of wokeness. Companies need to try and send this message, but we can still step back and see really what are they thinking. And this is why regulation matters. Another experience this week was an online game that was being advertised named Rape Day. It's about a zombie apocalypse where the main protagonist, the main character, is going around using this as an opportunity to violently rape women. It's a dangerous world with no laws, and you are the most dangerous rapist in town. What was the response to this game? We saw the same thing happen, the same kind of outcry, the same kind of challenge by women saying, we don't want this to happen, we don't accept this, this shouldn't be the message that's being sent out to people. And what was the response? The developer wrote, I haven't broken any rules. Unless the policies change, I will keep doing this. The company said that they would only review this case because it may be illegal in some countries. So in some countries they might challenge this, but otherwise they're going to keep it exactly as it was. If they can get away with it, they will get away with it. What was taken away was a scene where a baby was brutally murdered. This was because it may be marked as child exploitation. So immediately we see when it comes to children, if there's a chance that it could be viewed as wrong, it's taken down. But with women, it's a different story. If they can get away with it, they'll get away with it. So how can we combat this? And what is the reality when it comes to porn online? How does it draw this connection to this rape day? What are the ties that combine this? And what is the message that's being sent? We know that 36% of the internet is pornography. 1 in 4 search queries are about porn. 88% of top scenes contain physical aggression against women. What is the response when people call this out? What do the porn sites do? Do they take away the violence? Do they own up to it and say, okay, this is not acceptable, we will change the narratives? No. If they can get away with it, they will get away with it. Instead, they bring in what's called sexuality education. They say, we're going to become part of the solution. We don't believe in violence, we believe in equality, we believe in supporting and educating our youth. So we will create these programs, and we'll support people to have a different narrative, to change these societies, and when they see this, they know that it isn't true. But we know different, we know it is true. While this is a fantasy story being told, it is real women who are being part of this. It is real women who are being raped and exploited. It is real women who are facing this situation.
We face new challenges in these spaces. We see that the objectification of women has led to the point where now sex dolls, sex robots, are becoming popularized. When a popular story came out featuring one with Ryan Gosling in it, their website crashed. The sales went through the roof. This is becoming something that is more commonplace and that's appearing in brothels. So we can see where the end game of this objectification of women throughout our society falls to. We can see pop-up brothels and mega brothels across Europe, where women are facing massive exploitation, and it's all for the profit of men. Whether it's individuals who are paying for these sexual acts, who are profiting because of their own sexual gratification, whether it's pimps and traffickers who are making their money off the exploitation and degradation of women. We can see as well the impact that this has on women here in prostitution. They increasingly get requests to perform porn acts that are more violent, more dangerous than they would have had to deal with before. So what do we do about this system? What do we do about this racist, classist, violent system that impacts children, that impacts all of society, and most particularly impacts the most vulnerable and marginalized groups? How do we react and what action can we take? We've already seen that there are huge protests going on internationally. We have our own calls in the European Women's Lobby as part of our European campaign. We are urgently seeking the ratification and implementation of the Istanbul Convention in every European country and at a European level. This will combat violence against women and domestic violence and say that our society does not accept this as a normalised feature for all women and girls. We call for a review on how female journalists, elected officials, researchers and culture workers can be offered improved legal protection, especially when they're being targeted by organised hate campaigns. And, of course, we call for the introduction of abolitionist Nordic model laws on prostitution in every European country. We recognise the strong connections between pornography and prostitution, and we recognise that with these Nordic model laws, we challenge the power dynamics that are at the roots of this system, and we send a strong message that this violence that's perpetrated against women for men's profit is not acceptable. We call for legislative measures that will be implemented against sexist advertising, as well as an obligation for the advertising industry to provide information on any retouching of images, so that we know, as these stories are being told, we can work towards a more truthful and honest storytelling, where women are represented authentically, and where we can really see who we are, and we can decide more clearly how our stories will be told. We also call for evidence-based research and civil society organisations to have programmes on gender equality in media, which will be supported and funded. The levels of resourcing for women's groups across Europe is at an all-time low, and we need to increase this. We had seen gains, but it's slowed down, and we need to stop this. We need to correct this trend and invest really in solutions and in the groups at grassroots levels who are driving this change. Campaigns that we see all over the world are trying to tell a different story. We've seen women coming out in South Korea saying that they will not accept sex crimes, which are being secretly put into porn sites and stealing their privacy. We've seen women standing up and calling out against the misrepresentation and the overrepresentation of men in our stories. We've seen groups forming online to protect each other, to call out when abuse happens, and to stand together so that we can create a more supportive feminist online space. We call on our political leaders to make changes and end the impunity of those who commit and drive male violence. This is an action that any single person in this room can take. At all levels of society, we need to stand in place and say, we have power, we can take action, we can drive change. All of these people, the traffickers, the pimps, the advertising companies, the corporations, they all depend on us. So we hold the power to make that change, but we need to act together. We can buy products from local companies who are not using sexist advertising. We can go to our companies and see if they have a code of conduct forbidding pornography and prostitution. We can talk to children and young people around us about this issue and make sure that they do not accept the culture of porn, that they can think about it critically and challenge their friends around them as they're facing these issues. We can start conversations with friends, call attention to this issue, and raise our voices together. We can volunteer with local activist groups or frontline organisations who really need that support to be able to provide better and more services to women and girls who need them.
You can start a campaign on pornography. This is an issue that needs to be lifted all across Europe. We need more organizations to take a lead on this. We need to hold this charge, and as a public, we need to stand together in outcry. We need to take to the streets, as thousands of women have done across the world today. We need to organize, and we need to object. J'ai maintenant invité nos intervenantes à venir nous rejoindre de manière à ce qu'on puisse nous asseoir ici parce qu'on a un petit temps qui est consacré à des questions et puis les réponses que les intervenants vont vous fournir. J'imagine qu'il y aura de votre part peut-être des besoins d'éclaircissement, des questions au fond. Et bien Camille Bernard, cela. Catriona et moi, je propose de venir vous installer ici. Bon, bonjour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ouvre moi est-ce qu'il y a une main se lève? Oui, une main. Ok. Je vous en prie. Alors, il y a un micro qui va passer, ça vous permettra d'entendre vous les questions. Voilà. Merci beaucoup, c'est fantastique. Vous êtes fantastique. Je vous remercie infiniment. J'ai une question, mais avant de la question, je voudrais que vous regardiez les murs de cette salle, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez une femme ici? Pas de femme. N'oubliez jamais d'où nous venons. N'oubliez jamais. C'est la salle de la ville, il n'y a aucune femme. Et maintenant, nous sommes dans un salon avec plein de femmes. C'est grâce aux femmes qui ont le courage. Il faut aller plus loin. Et merci beaucoup. Et ma question est ma femme, ma fille. Alors, tu as parlé un petit peu. Et j'aimerais bien que tu développes un peu plus. Et vous m'avez dit aussi que les banquiers ont fait une étude de marché. Alors les banquiers ne disent jamais tout, ils font tous des recherches un peu. Hein. Ils ont oublié de vous dire l'essentiel, que la prostitution est le plus profitable parce que vous ne payez pas à matière pyramidale. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de matière première à payer. Vous prenez une fille, quel âge elle a, pas de problème. Jusqu'à elle est morte, elle est utilisable. C'est le seul dans le monde, c'est le seul industrie où vous ne payez pas matière première. Et peut-être c'est le seul infini, parce qu'il y a toujours une femme qui revient. Ok? Et c'est pour cette raison, j'aimerais bien aller plus loin sur la prostitution. Où va l'argent? Où va l'argent de prostitution? Vous pouvez m'éclaircir, Yamo. Ok, donc une question pour vous, mais aussi une interpellation qui reste, d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait, il n'y a pas de matière première, et donc l'industrie de la prostitution est la troisième mafia la plus rentable dans le monde après la drogue et les armes. Et en effet, comme le disent même les professionnels, c'est pratique. En fait, on ne vend pas dans la prostitution. Une arme, on la vend, on ne l'a plus. La drogue, on la vend, on ne l'a plus. La femme, on la loue en quelque sorte et on la fait utiliser. Donc c'est très pratique. Où va l'argent? Il y a une étude qui a été faite en France, qui s'appelle Frostcost, que vous pouvez trouver sur Internet. Qui explique que la prostitution, donc, c'était pour savoir quel était le coût de la prostitution, donc c'était 8 milliards d'euros, je crois, en France, et il y avait les coûts, évidemment, individuels, le coût sur la santé des personnes, le coût social qui va avec, ce que ça veut dire pour une société, ça veut dire avoir des services de santé pour répondre aux problèmes des personnes, avoir aussi la police qui doit s'occuper de la traite des êtres humains, mais qui finalement ne s'occupe pas du proxénétisme. Donc il y a tout ce coût social,
Et ce qui est montré, c'est que l'argent, la moitié de l'argent que paient les clients disparaît dans du blanchiment. Et donc ce n'est pas de l'argent qui est réinvesti dans la société. Ce n'est pas de l'argent qui, comme quand vous allez au resto, que vous allez, qui permet de faire vivre l'économie, c'est de l'argent qui disparaît. Et donc ça coûte très cher finalement à la société. Ça coûterait beaucoup moins cher d'appliquer le modèle suédois dont Catriona a parlé, de pénalisation des clients, de parcours de sortie pour les femmes, parce qu'il y aurait beaucoup moins de damage control qui coûterait cher, et parce qu'il n'y aurait pas de l'argent perdu où des clients investissent et l'argent disparaît. Pour une petite information, Peter Scott, ici, il y a un journaliste qui avait pris tous les numéros de Peter Scott, qui les avait mis dans la banque Carrefour des entreprises pour savoir quelles étaient les entreprises derrière. Et quand on cherche, on tombe sur tout le Panama et tous les paradis fiscaux. Donc tout l'argent qui est donné par les clients par jour disparaît et complètement pas du tout investi dans la société. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une dame derrière, je pense, un monsieur aussi. Non. Peut-être si je peux vous demander de vous préciser à qui vous adressez votre question. Oui, bonsoir, ça je ne sais pas. Mais je remercie en tout cas de l'organisation de cette manifestation et des présentations qui sont particulièrement intéressantes. J'ai deux interrogations qui vont peut-être encore au-delà. La première interrogation, c'est qu'il y a une étude qui a été faite récemment aux États-Unis sur un échantillon peut-être pas énorme sur l'effet de la prostitution sur le sexe des adolescents, enfin leur vie sexuelle, et qui a montré que la prostitution online en particulier normaliser un certain nombre de comportements, d'apparence visuelle, etc. On sait par exemple que le système pileux est gêne pour voir effectivement la pornographie sur Internet, donc toutes les jeunes filles ne peuvent plus supporter d'avoir un poil nulle part. Un autre effet, c'est que autant les jeunes garçons que les filles ne se sentent jamais autant suffisamment à la hauteur de cette énorme pénis gorgée d'orgueil qu'on voit sur Internet et qu'ils n'auront pas eux-mêmes. Pour les filles, de la même manière, elles n'arrivent pas à être aussi attirantes, etc., que ce qu'elles voient sur Internet. Donc finalement, il n'y a plus de sexe. Et où il y a beaucoup moins d'actes sexuels, et ils en ressortent à la masturbation essentiellement. Voilà, ça je vous dis, c'est une étude qui a été faite, je ne sais pas, est-ce que vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ma deuxième interrogation, parce que je prends beaucoup de temps, ma deuxième interrogation, c'est plus sur les régimes d'extrême droite à l'heure actuelle, enfin les régimes, disons surtout les mouvements d'extrême droite, mais les régimes, effectivement, il y en a quelques-uns en Europe à l'heure actuelle, magnifient la subjugation de la mère, de la femme dans le rôle de la mère. La mère reproductrice, etc. Qu'est-ce qu'il en est de la prostitution? Parce qu'en principe, c'est des régimes très moraux, très religieux, ou qui se réclament d'une éthique religieuse. Est-ce que, pour ce qui est de la pornographie et de la prostitution, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce qu'il y a des gens, je parle de la Croatie, je parle de la Hongrie, peut-être de la Pologne, etc. Voilà. Donc je ne sais pas à qui ça s'adresse. Celle qui voudra répondre. Qui veut répondre? Par rapport au premier point, je n'ai pas entendu l'étude qui vous faites référence, mais c'est vrai qu'on voit des problèmes de santé qu'on n'avait pas avant. Par exemple, en Angleterre, le personnel de santé reporte une augmentation, par exemple, des problèmes d'incontinence, des déchirures vaginales, c'est pareil en Australie, c'est pareil partout sur les très jeunes. Du coup, c'est vrai qu'on a une modification des rapports sexuels. Et ça rejoint un peu le point dont parle Gil Dance. Qui est cette idée qu'on se rend compte que beaucoup de
de choses dans les médias, nos influences, on a toute cette bataille contre les news, etc. On s'en compte qu'on peut être facilement manipulé, etc. Mais pour la pornographie, on se dit non, on est au-dessus de la mélodie et ça ne se regarde pas. Les données empiriques semblent montrer le contraire, parce que ça rejoint un peu ce qu'on voit dans les actes et c'est pas forcément. Peut-être sur la question du lien entre les régimes conservateurs et l'extrême droite. I think we can see the clear trend when it comes to the conservative push to reclaim power in our societies and try to change the tide of progress that we've seen in recent years. They will try to come in on any issue that they see as being complicated or a space to divide social progress movements. And I think prostitution is a good example of this, where they will try to send a different message. They can try to come back to a story to say that the sex trade is about paternalistic treatment of women's bodies, and they will try to have a regressive narrative around prostitution that can move it more towards this kind of story instead of challenging the feminist systemic analysis that we need to really bring to the system of prostitution. When we look at the current rise of right-wing populists across Europe, we need to really remember the stories that they are telling are not accurate. The solutions that they are bringing are not real solutions that will make real change. So I think we need to really be able to challenge the narratives that they try to put forward. Je voulais juste rajouter sur la question de la performance dans la pornographie. Dans ton extrait, on voit Jean-Paul Brighetti qui a écrit ce livre qui s'appelle La société pornographique, et il explique que, en effet, tout est finalement, il n'y a plus de. C'est pas une relation, c'est le gros sexe, c'est le sexe de la femme qui est complètement épilé, ce qui par ailleurs est aussi une image infantilisante des femmes. On veut que les femmes ressemblent comme si elles étaient encore enfants, donc ce qui est très dangereux à nouveau sur cette idée qu'on banalise l'inceste. Mais il montre aussi que cette performance à outrance amène les clients, les consommateurs à être jamais satisfaits. Ils ne sont plus satisfaits. En fait, ils vont rechercher du pire parce que le petit moment d'orgasme jouissif est très court et qu'ils essayent de le retrouver et que les images trash s'ajoutant aux images trash, il va falloir encore du plus trash pour que ça revienne. Et donc on est vraiment dans une performance très grave. Et par rapport à la question de l'extrême droite, alors pour compléter ce qu'a dit Catriona et compliquer le propos, il faut savoir que le système de réglementation de la prostitution, donc le système qui visait à mettre le nom des femmes sur des registres, à les enregistrer, c'est quand même un système très bourgeois, conservateur. Dans les années 40 en France, c'est là que ça vient, l'abolition en fait vient de l'idée d'abolir ces registres dans lesquels il y avait des femmes. Mais l'idée c'était que les bourgeois avaient besoin d'exprimer des besoins dans un sens qui n'existe pas, mais il fallait qu'ils puissent avoir accès à des femmes qui étaient propres, donc il fallait qu'elles ne donnent pas de maladie, et donc il fallait les enregistrer. Mais ce sont des sociétés où la sexualité n'est pas discutée, et c'est très conservateur d'avoir une femme à la maison pour faire des enfants, et d'avoir la prostitution à côté pour pouvoir... Il y a quand même des pays, les membres turcs du lobby européen des femmes, quand on en discutait, racontaient que les familles payent des prostituées pour leurs garçons pour pouvoir découvrir la sexualité. Donc elles ont bien intégré l'idée qu'il y a les femmes propres, leurs filles, les futures femmes de leurs enfants, et puis il y a les femmes qui sont faites pour ça. Donc ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui vont prôner la réglementation de la prostitution avec cette idée aussi de séparation des femmes. Ce qui est triste, c'est qu'il y a aussi une gauche, une certaine gauche, qui prône la même chose. Et donc là, cette gauche-là ne se rend pas compte qu'elle utilise les mêmes arguments que une droite que par ailleurs elle fustige. Alors, d'autres questions? Sinon, j'en peux plus de monsieur Rivet. C'est juste. Pardon. Peut-être aussi, si vous avez une question ciblée, n'hésitez pas à dire qui vous interpelle. Yeah, thanks a lot. It's a pleasure to be here, actually, because I'm usually exposed to a lot more radical feminism than this. So it's nice to know there is like a more conservative, moderate thing. So just to keep it short, I'm kind of an economist, and I'm not fully an economist, but
My bigger problem is about 50 years ago, for example, the French workers had no rights whatsoever, especially in restaurants, for example, in the hospitality industry. It was quite a mess. And don't take me so much as like a white man, essentially, but my question really is about how far can we do with regularization of sex labor, and how, because we know well that it has worked for some countries, right, to a certain extent. I don't think it should be, I understand that you're against it completely, but and removing all that violent parts, right, there's a part that can actually work as labor so much as maybe not completely, removing everything, right? There are channels, but to what extent do you think it's not possible, probably, but to what extent do you think it's not possible at all, even though we apply certain regulations, such as social security, protection of health and safety, even retirement plans and whatnot? And the first point to raise and to reflect from what you have just said is if we were to remove the violence. And this to me is the point that we need to explore a little bit further, because if we look at the sex trade across the entire world, we have never seen a system that has been able to remove the violence from prostitution. It is not possible. It is a system that is based on the ability of men to hold power over women. Whether it's through financial or physical control, it is absolutely based on this power imbalance and this power dynamic. As long as you have a system that is based on the commercialization of women's bodies, how is it going to be possible to remove this from violence? How practically can you remove the risk of violence? If you look at every system, at the end of the day, as they try to make prostitution safer, you will always end up with a woman in a room, and how can she seek help? How can she be protected absolutely from that man barring the door and doing as he wishes with her? Unless she is far physically stronger than every single man out there, you cannot take the risk of violence out of prostitution. So you can think ideologically, if this was possible, what could we do? Maybe it could be a great experience, but that is not the reality. So we need to deal with the reality. Laws and regulations need to respond to the reality of the world that we live in. And in this reality, we can see that in the different processes of regulation on prostitution, if you try to say maybe it can be free labor and we can regulate it or we can decriminalize it, we say that it's in some form acceptable. In some form, we accept this racist, classist, sexist system. And that is something that we cannot do. We need to look at the real world and what really works. And when we talk about a system that criminalizes the purchase of sex, criminalizes pimping, criminalizes trafficking, we're saying we will hold you to account for this system where you're enabling this violence. And we see the impact this has. It says that the state needs to invest in resources to give responses and supports to those women who are being affected. And it's like a message to society that we do not accept that violence. No, okay, I can understand in English. I just wanted to give you the story of Germany, because I think it's interesting to see how far can you go to legalize. So Germany in 2000 decided to decriminalize pimping. So it means that pimping was prohibited, but it became non-prohibited. It's a business. And this is how Brussels started to blossom everywhere in Germany. And it's interesting because to your question whether we can make sex work, legalized sex work, or work, 15 years later, what the police says about Germany is that they cannot control anything at all, that trafficking has really exploded, that there are very few persons who really declare themselves as sex workers. You have 400,000 women in prostitution in Germany, only 44 want to declare themselves as sex worker. And interestingly, now, because of the explosion and the lack of control, they thought they would control it better. They thought they would help the ones who want to do it by choice to be free, and the ones who are forced through trafficking to be saved. But what they see is that they don't control anything.
And now, last summer, they passed a law, and the law is asking for two things. One is prohibiting the worst and the most horrible practices in the brothel, because when you go to Germany, you have a menu, and you can choose what you want, and you have everything you find in pornography in that menu. They prohibited the main three worst forms. One is, again, rape. The other one is fist fucking, so introducing objects into the person. And the third one is when you shit on your own or you pee on the woman, which is a practice that is very well known by buyers on African women because of the racism against African women. So it's interesting because the law is trying to make it less violent, but because it's inherently violent, the law is just trying to do damage control because all the rest is still possible. And the other thing that the law is asking in Germany is that all the relationships should have condom. It should be compulsory. Now my question is, how do you get to control that? Like, do you ask police guy to go in every room of every brothel and see if there's a condom? No, that's not going to happen. So it's also very hypocritical in a way, trying to protect so-called work in doing those kind of laws, which in the end it's not really about the woman, it's just about the reputation that Germany wants to have in the face of the world, because everybody knows that what's going on in Germany is horrific. Alors, je voyais avec rouge qu'il y avait Camille qui hochait la tête. Donc Camille est l'auteur hein, du second extrait que nous avons vu. Et je dirais qu'on a quand même envie de te donner la parole, Camille, parce que c'est un film de fin d'études. Pourquoi est-ce que tu as décidé de traiter cette question-là? Puisque voilà, tu es une jeune femme, dans aujourd'hui un contexte dans lequel finalement on nous brandit toujours l'épouvantail des femmes coincées, hein, des jeunes femmes coincées qui n'accepteraient pas certaines choses, qui seraient peut-être trop catholiques ou trop chrétiennes, ou je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'on peut être tenté parfois, peut-être quand on est jeune également, de se rassurer hein, en pensant que finalement ce que ces femmes vivent, eh bien. N'est pas si grave que peut-être elles sont libres et heureuses. Pourquoi avoir fait le choix de traiter ce sujet, qui n'est pas un sujet évident, dans un film de fin d'année? Alors j'ai l'habitude de dire que j'étais très en colère quand j'ai choisi mon sujet, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, donc je l'ai fait en 2012, quelques années, et d'ailleurs ça s'est bien radicalisé depuis, et les conclusions que j'ai tirées en 2012 sont toujours les mêmes, voire même pire. Et si j'étais en colère, je pense que c'est parce qu'il y avait une contradiction. Je voyais partout la pornographie vue comme cool, fun, sympa, c'est la liberté sexuelle, c'est marrant. Si c'est grave, c'est seulement quand les enfants en voient, et sinon, bah, tout va bien. Et puis donc, il y avait ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, j'avais commencé il y a quelques années à avoir des relations intimes avec des hommes, puisque je suis hétérosexuelle. Et je me retrouvais face à des demandes, à des mythes, à des stéréotypes sur la sexualité féminine qui venaient très clairement du porno et qui me rendaient complètement dingue. Et donc je passais mon temps à vouloir éduquer ces hommes pour pouvoir avoir une vie normale avec eux, mes petits copains. Et je trouvais ça anormal que ce soit encore aux femmes de devoir déséduquer, parce qu'on dit éduquer, mais c'est vraiment déséduquer tout ce qu'ils ont appris par le porno et par la prostitution. Et parfois que ça revienne à des femmes très jeunes, parce que quand on commence à rentrer dans la sexualité, on peut avoir différents âges et parfois on est très jeune. Et donc tout ça me dérangeait énormément. Et aussi d'avoir été objectivée par mes petits copains. Et je pense qu'après, tout mon militantisme féminisme est venu de là, c'est que j'ai voulu redevenir un sujet et que je ne suis toujours pas arrivée. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a très fort marquée. Je pense que c'est à peu près les raisons qui m'ont poussée à faire ça. Après, c'est sûr qu'aller voir son directeur de mémoire et lui dire « je vais faire un docu sur le porno », j'ai dû me battre. En plus, avec un point de vue féministe, ça n'a pas été simple, mais voilà, ça a fini par être accepté. Ça a donné ce documentaire, et donc j'ai pu faire une enquête de 2 ans sur le sujet. Merci Camille pour cet éclaircissement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la salle? Oui, madame? Peut-être, si vous pouvez dire à qui vous adressez. Toute la santé, tout ça, par rapport à cette histoire, en tant que femme.
Je vous demande juste de parler dans le micro, merci. Donc, je faisais une conclusion, hier j'étais à peu près dans le même genre de débat. Donc, à notre époque, on appelle encore ça, moi j'appelle ça la crise humanitaire, enfin, malheureusement, on a demandé un crise humanitaire jusqu'à présent. Et on en parle, c'est comme si on allait au marché, tellement calmement. Quoi. Et qu'à notre époque, on enterre encore des autres filles vivantes, et que dans des femmes qui viennent de plusieurs origines et tout, enfin, c'est une tradition, et au fait, on n'apprend pas. Les moments où on met le monde des femmes, malheureusement, on met l'humanité, nous accouchons des êtres humains. Et je pense qu'avant le moment, il y a l'école, on éduquait nos enfants, et puis on a dit, c'est pas beau, on éduquait nos enfants nous-mêmes à apprendre à respecter l'autre côté, enfin, ce qui a plu. Maintenant, c'est on donne à l'éducation la tablette, le copain. Mais il n'y a plus l'éducation sexuelle qu'on avait, qu'ils ont interdit. Quand on entend, non, c'est dangereux. Enfin, on avait le dernier et tout, c'était très bien. On expliquait à ce moment-là qu'il fallait tendre à faire ça. Donc je pense qu'en voulant faire en avant, pour moi, en voyant maintenant ce qu'on en est, on a fait un pas de retour, mais 30 ans en arrière, quoi. Et donc, c'est la question, de l'éducation sexuelle. En fait, l'éducation sexuelle respectueuse. Le problème, c'est qu'actuellement, on tourne, comme dans beaucoup de choses, là, qui sont. C'est bien, la Belgique se réveille, le monde se réveille et tant, mais on tourne beaucoup autour des choses où il faudrait dire, c'est des crimes, c'est fini. Et tant qu'on se réveille, les femmes, on est nombreuses, c'est nous qui les portons. C'est des crimes contre l'humanité. Et pas de dire, oui, les pauvres, les prostituées. Bien sûr, il y a des femmes qui le font. Par métier, par champ, pour pouvoir nourrir leurs enfants, je ne les juge pas du tout. Mais à un moment, ça devient un crime et on en parle comme si c'était bénal et presque normal. Excusez-moi, Je vais permettre de raccourcir votre intervention. Parce que je pense qu'en même temps, vous soulevez quelque chose d'important qui a été la référence à la loi. On l'a entendu tout à l'heure, notamment la question de l'application des lois sur l'interdiction de la torture. C'est vrai que quand on voit les images qui ont été présentées ce soir, on est vraiment en plein dedans. Mais je vois que tu es en train de. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question du crime. Et on voit aussi surtout ce que vous dites, qu'il y a une sorte de régression, surtout en rhétorique, qui justement l'idée même que la pornographie est féministe, c'est évident que c'est vraiment contradictoire, mais sous plein d'étiquettes progressistes, on essaie de faire passer, de maintenir le statu quo, pire de régression. Et sur la question du crime, je pense que c'est. J'aimerais bien aussi retourner sur la question du. En fait, quand on parle surtout de la violence, parce que c'est un crime, n'est-ce pas? Et en fait, on est tellement plongé dans cette idée que c'est maintenant qui l'explique très bien, qu'il faut partir du discours victimaire, etc., etc. Mais moi, je pense qu'en tant que femme, il faudrait qu'on reconnaisse notre statut de victime quand c'est le cas. Et en fait, l'idée d'être contre l'idée de victime, c'est de faire croire que l'être victime, c'est un trait de personnalité. Alors qu'en fait, ça dénote un rapport de force. Et s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'agresseur. Et du coup, c'est important de vous parler du crime, parce que ça veut dire qu'il y a un criminel derrière. Et ça rejoint l'idée de la violence. En fait, on parle de la violence dans la prostitution, mais on a l'impression qu'il y a un crime du ciel. Qui commet la violence ? C'est l'homme prostitueur qui sait très bien que la femme qui est là en face de lui ne veut pas de ce rapport, mais qui va la forcer. Et en fait, l'idée qu'on ne voit pas ça comme une violence, je pense que c'est aussi lié à notre idée de viol qui est quelque chose comme un raptus, qui est quelque chose vraiment de très violent et physique, et je ne sais pas, souvent les hommes. Du coup, oui, c'était bien, merci. Je voulais juste sur la question de l'éducation à la sexualité, vous donnez des chiffres. Sans rajouter une couche ce soir, mais les garçons commencent à regarder la pornographie à 12 ans, c'est l'âge moyen. Jusqu'à l'âge de 18 ans, un garçon sur 4 regarde de la pornographie tous les jours.
Aujourd'hui, si on demande à un jeune de 20, si on cherche un jeune de 20 ans qui n'a pas vu de pornographie, ça n'existe plus. Il y a quelque chose qui est intéressant que disaient les assistantes sociales, c'est que avant, il y a 20-25 ans, quand un petit enfant, fille ou garçon, donnait certains mots, on pouvait du coup très vite savoir qu'il avait vécu des attouchements par des adultes. Aujourd'hui, quand il donne ces mots, ben, on se demande si c'est pas juste parce qu'ils regardent la pornographie sur leur tablette, comme vous l'avez dit. Donc c'est la réalité. Donc il y a vraiment une banalisation et du coup ça rend le travail par ailleurs des assistants sociaux très difficile pour pouvoir savoir si des enfants sont victimes. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que le mot féministe aujourd'hui est aussi utilisé malheureusement, et je pense que nous en tant que féministes on doit se poser la question, mais pour dire tout et n'importe quoi. Donc on est féministe à côté de porno et tout d'un coup tout va bien. On va bientôt mettre qu'il y a de la pauvreté féministe, qu'il y a l'esclavage féministe, du climate change féministe, je sais pas. Mais tout d'un coup, ça devient OK parce qu'il y a le mot féministe. Alors que le féminisme, c'est le fait de regarder des rapports sociaux de sexe, d'analyser des rapports de domination et de les transformer. Donc c'est une vraie révolution. C'est pas juste mettre trois femmes et trois hommes l'un à côté de l'autre et basta. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi redonner les choses. Et quand quelqu'un vous assène que Yves Saint Laurent est féministe, bon, je posais un peu la question de qui Yves Saint Laurent. Voilà, alors je vais remercier à présent nos intervenants parce qu'on est arrivé, hein, voilà, l'horaire nous indique qu'on est parvenu à la fin de cet échange. Merci vraiment à toutes les quatre d'avoir participé à cet échange voilà, qui, je pense, vraiment traiter pleinement du sujet d'un point de vue de l'investiguer, c'est-à-dire la question de l'objectivation et du découpage du corps d'une femme. Je pense que dans la position de la pornographie, on est vraiment en plein dedans. Je vais terminer sur cette phrase. Un peu piquante, mais je pense qui est vraiment en plein dans le sujet, qui a été dite par une femme qui est sortie du système prostitutionnel et qui disait ceci. Elle disait, eh bien, si tu veux aider quelqu'un à manger, parce que très souvent, c'est ce que les clients vont avancer, ils disent qu'ils vont avancer, que ça aide les femmes, eh bien, voilà, elle disait, si tu veux aider quelqu'un à manger, mets-lui la nourriture dans la bouche et pas ton sexe. Alors, j'ai euphémisé hein, le propos parce qu'elle le disait avec un langage beaucoup plus cru. Mais je trouve que c'est une phrase intéressante pour remettre les choses à l'endroit. Voilà, je laisse la parole. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette soirée pleine d'émotions et de réflexions. Je vous remercie pour votre participation et espère que ces échanges ne vous laisseront pas indifférents et vous motiveront à soutenir le combat à nos côtés. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un petit verre dans la salle juste à côté afin de digérer ensemble ces riches discussions. Ladies and gentlemen, I wish to thank you again for your interest and participation. This is not yet the end of the event, as we would like you to invite you for a drink in order to digest these intense discussions and enjoy our wonderful city hall for a little bit more. I wish you all a very pleasant evening. Dank aan allen voor uw aanwezigheid. Merci à toutes et à tous. Et belle fin de soirée.